Alors, nous sommes de nouveau ensemble pour une séance avec Borel Mezoni. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Attention, attention, vous allez avoir 6 mots. On commence? Alors, s'il y a un E ou O à la fin du mot, je vais le faire pour vous habituer pour le CP. D'accord? Même si des fois, on n'entend pas. On y va? Moi, j'adore y aller pour nager. C'est la piscine. Encore. Piscine. Bravo. Alors, attention. On la trouve dans la forêt, en général. On y va? Dans les sous-bois. Je refais. Oui, la fougère. Fougère. Je refais. Fougère. La fougère. Excellent. J'adore les fougères. Attention. Vous êtes prêts pour l'autre? Je le refais. Alors, là où on met les photos, un cadre. Très bien. On y va? Cadre. Je refais. Cadre. Un cadre. Alors, on a fait 3 mots, il nous en reste 3. Alors, moi j'adore en construire pendant l'été. Vous êtes prêts? On y va? Alors, une cabane, exactement, dans les arbres. Cabane. Je refais. Cabane. Ensuite, attention. Encore une fois. Oui. Oui. Une chose. 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 Le dernier mot, attention. Très peu de différence avec le premier. Vous êtes prêts? Alors, oui, une rose. 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 Et tout à l'heure, on avait chose. Chose. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous pouvez avoir des mots qui sont pratiquement écrits de la même façon, où on entend pratiquement la même chose. Je vous embrasse très très fort. Je vous félicite. Et j'espère que vous vous amusez à trouver les mots. Au revoir.